ESP. Hein. Non, 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 non. Plage privée, le Bourges, la GT3. Choc bar. Bienvenue chez nous. Wouh. On peut peut-être voir tes caleçons. Hop là, pardon. Oh. C'est une dinguerie. Bon les gars, GT3, immense béquet. On fait le petit tour de la config. Plaque à 4 chiffres. Ça en dit long sur les finances. Hein. Oh là là, incroyable. Du carbone. On trouve de l'alcantara dans toute la voiture. Énorme prise d'air. Ah ouais, mais de l'avant comme ça, elle est tueuse quoi. Oh. Et ce que j'adore aussi, c'est les liserés bleus, étriers jaunes. Ça donne un petit truc en plus. Oh. Non mais regardez-moi ce béquet quoi. C'est pas possible. Liserés bleus sur les jantes, étriers jaunes, vitres légèrement teintées. C'est une folie. Le volant, il est en cuir, pas en alcantara cette fois. Arceau de sécurité. On en a bien besoin, on ne sait jamais. Stop. Le but est d'avoir quand même le Bourge. Ça tient. Oui, ben je ne vais pas venir derrière toi. De toute façon, visiblement, tu attends peut-être quelque chose, Nathan. Je pense pas que ce soit vraiment pour ta luminosité. Tu fais le montage, oui. On a vite attend un passage. Oh, ne te lâche pas, quoi. Ne rentre pas dedans, quoi. Regardez-moi ça. Juste avant qu'on parte, on voit ce spot. Plage privée. C'est une blague. Là-bas, le Bourge, la GT3. T'as le plan, quoi. Est-ce que t'as encore envie de rentrer, mec? On s'installe ici, quoi. Scandaleux, quoi. On va vous montrer ce que c'est un vrai launch control. La vie de Ronnie avant la saisie. C'est assourdissant. Ah ouais. Oh putain, je n'entends plus rien. Incroyable. Je suis sonné. What? J'espère que les freins sont déjà chauds. Mec, on est en GT3 quand même, pas sur le circuit. Rien tombé hein. Oh, t'as fait exprès. Y'a pas besoin pour se tenir. Y'a rien pour se tenir. Ah, y'a rien quoi, c'est toi et... C'est toi et ta chien. T'as fait quoi? Vous, à mon avis, dans le rétro, vous voyez le béquet. Le béquet, wouh. Ah, y'a un radar. On a un agent en radar. Un à gauche, un à droite. Qu'est-ce qu'il fait? Allez quoi. J'ai pas envie de faire ça parce qu'il va prendre ma plaque, déposer une plainte. Travel ban. Oui, travel ban. Oh le pont. Ouais, du coup, t'as dit ne pas être travel ban. On a appris un terme hier. Dès qu'il y a une plainte qui est ouverte contre toi à Dubaï, tu peux être travel ban. Tu peux pas sortir. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est se faire mutuellement une plainte. De si plainte. On peut rester sur le territoire. Ouais, donc tu portes plainte contre moi, comme ça on est tous les deux bloqués. Ah oui, travel ban. Et si on peut s'arranger pour avoir un restaurant ou quoi, le temps de la procédure. Le temps de la procédure. S'il vous plaît, quoi! Vas-y! Oh, la précision! Quelle bagnole! Si, mais on n'est pas à Scarbeck, quoi! On n'est pas à Scarbeck! Moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un launch control! En tournant comme ça, on va se tuer! C'est où qu'on enlève le SP? Non, non, non! ESP off! Non, on fera ça quand t'auras la voiture en main, ça va? Ah. Oh, le launch! Mon dieu! Les gars, le launch control! Ah! Mais visiblement, ça t'a interpellé, toi. On peut peut-être le chauffer. On peut peut-être quoi? Mais je rêve, quoi. Le chauffer. Chauffer la boîte, quoi. Chauffer la boîte. Mais c'est pas comme ça qu'on chauffe la boîte, Nathan. Chauffer le pommeau, mais je rêve, quoi. Visiblement, tu chauffes les choses. La boîte de vitesse. Oui, oui, oui. Puis t'as quand même fait comme ça pour chauffer le pommeau, quoi. C'était un test, tu as échoué. Moi, je suis sûr de ne pas rester trop près de toi. Là, ça va résonner. Je me demande vraiment comment se passe un contrôle de police ici. Parce que je n'ai vraiment, mais vraiment, jamais mon identité sur moi. Jamais vu. Madame peut traverser à son aise. Hein. Je tout mon temps, même si c'est vert, oui. Je prendrai le temps d'attendre. Ah, tout le monde me regarde. Vas-y, on reste! Et il se branle, quoi! Et il se branle! Putain, on a dû faire du jet ski maintenant. Écoute-moi, franchement, si on voit un truc. Ah, mais on envoie notre ami Adam. Ouais. Ah, oui. Et on fera passer ça en frais de société. Ah, si on peut peut-être faire ça ce soir. Allô? Adam?
Super. Mec, tu vas bien? Ben, je reviens vers toi un peu plus tôt que prévu. C'est vraiment ça? Tu vas bien? Ah, moi ça va. Dis, et Jessie? Dis les mecs qui font de la loc. Dis, ta RS3? Ouais. Elle est encore dispo, pas crachée? Ah, c'est vraiment à la belge quoi. Dis! Tu vois ton RS3? Oui, avec des plaques polonaises, la plaque ZT. J'ai joué avec les Z, hein, j'ai pris un arbre, hein. Mais rien de grave, hein, que la lame. Hein. Mais d'ailleurs, il faut qu'on prenne des mouilles de Bruxelles. Ah! Qu'on programme ça quoi! En plus, c'est une grande coupée, hein, donc on va être comme ça quoi. Si, donc il y a de la place derrière au cas où. T'es choc-barre quoi. Ah oui, oui. N'attrape pas la barre, hein. Bah si. Si tu t'es préparé à revenir à Dubaï, je comprends directement ton plan de ce soir quoi. Waouh! Waouh, waouh! Wow, et je espérons de tout cœur que ce soit pas avec ton camarade quoi. Tu veux pas venir avec moi si un jour j'ai une activité externe? Quand je dis externe, c'est en dehors de tout ce qui est automobile quoi. Un incentive peut-être. Oh, on a trop faim. Les gars, on n'a pas mangé. Je vous jure, on n'a pas mangé. Ça c'est vraiment... En fait, ceux qui se demandent d'où ça vient, c'est... Moi, quand j'étais à l'école, j'avais toujours une prof, quand elle s'énervait, elle disait pas ton prénom. Elle tapait du pied, elle faisait... toujours les mêmes quoi. Et quand elle disait toujours les mêmes, je vous laisse imaginer de qui elle parlait. Le faciès. Ah putain. Qu'on... Putain, je l'avais jamais expliqué ce truc dit. Mais comme ça les gens comprennent d'où ça vient quoi. En tout cas les gars, restez à l'affût sur YouTube parce que c'est pas la seule vidéo qu'on va sortir à Dubaï. Hop, c'est génial. Je suis choc-barre de la bagnole. Allez, on va chercher à manger. Les gars, on vient de boire un truc incroyable. Smoothie au moule. Thé carré. Choc-barre. C'est magnifique. Waouh. Un super mec ici. Waouh. Déposez vos CV, les filles. Madame à droite, non, on n'a pas encore vu. On va aller voir. Je vais demander mon chemin. Je suis un peu perdu. J'espère qu'elle m'a senti bien. Pas avec finition, j'espère. J'étais là pour en découdre. Quoi? Nathan doit vraiment faire pipi. Ah, mais qu'on s'arrête quoi? Mais ne cours pas quoi! Viens là! On veut voir ton tige quoi! Bon bah voilà ce que nouveau ça pose pipi! Je me sens mieux quoi! Mec, doucement! Oh là là quoi. Je vois que tu tenais ton ventre, ne vomis pas sur moi. Ah non mais là, tu vas voir, parce que c'est insupportable. Il y a une fille volant. Mais c'est une blague. Il ne s'arrête pas. Mais c'est pas possible. Il y a le matos quoi. Il y a le matos. Pour des raisons de sécurité, on a décidé de repasser sur le matos. La nôtre et celle des autres. Oh, crac. Oh là, je savais. What? Mais c'est pas bête. Attention! Elle chasse, ça y est. Mais non, elle chasse pas. C'est la banque qui se dirige en fait. Oh! Et c'est toujours les mêmes, quoi! Je prends des jets dans la gueule, quoi! Je ne vais pas t'épargner. Non, mais. Non, mais. Tu testeras la voiture. Oh, tu te le dis en tant qu'ami. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que vous suivez tout ce qu'on fait. Vous validez le contenu, il y en a beaucoup qui partagent et c'est vraiment une folie. Donc vraiment, je tiens vraiment à vous remercier. Dieu merci aussi, mais c'est aussi grâce à vous. Allez les gars, on se revoit plus tard. Il y a un mec qui a fait des drifts, si t'as vu. Ok, pas un flap. Quoi. Oui, oui, oui. Tout moment, un radar. Frédéric pour Claude. Frédéric pour Claude. Ouais, une belle Porsche bleue, là, avec deux genoux. Maintenant, il est temps de passer à table. Vu la jauge d'essence, 35 km d'autonomie. Je ne sais pas du tout, mais vraiment pas du tout ce que ça vaut. Je dire, écoute, mon grand, prends un pourboire, mets la bagnole à fond. Et ceux qui vont être patients, en plus, quoi. Ah, faut pas être pressé, quoi. Il faut klaxonner. Monsieur. Ah, faut tout faire soi-même, quoi. Ah, c'est peut-être monsieur ici. Non, faut rester poli. Je préfère quand même sortir de la voiture. Voilà, je suis content. Monsieur me prend en charge. Qu'est-ce que t'as acheté? Ah, c'est pas vrai, quoi. Dites. Red Bull, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Ça, il faut le faire. Bah oui, on va manger le McDo là-dessus. C'est pas une blague, hein. Si en plus, je lui donne.
Comme ça, on me donnera encore plus dans la vie. C'est le mec qui calcule. Allez, prends tout ça. Prends-moi le double. Si c'est le principe du casino, je mets tapis, quoi. Prends ma baraque, ma bagnole. T'as un support pour ton Red Bull. Moi, j'en ai un pour le mien, donc ça... Voilà. Mais je rêve, quoi. Mec, ça aille pas sur ma gueule, quoi. Bon, les gars, on se refait une insertion des plus dignes. Prends pied dedans. Dans le désert en voiture, je suis choqué. Mec, c'est des trucs qu'on voyait sur YouTube, mec, t'es fou quoi. Gros, c'est une dinguerie. Mec, tu te rends compte de où on est? Bien là, c'est la ligne droite. Oh, la ligne droite, mais c'est une blague, mais d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Mais what? What? Il y a pas du sable, hein. Oh, les lignes droites. Mec, c'est un circuit. C'est un circuit. Que j'enlève pas le SP ici, quoi. What? Ça serait dommage. Ça serait dommage de tout gâcher à peine arrivé. T'imagines? Premier jour, retourné, mec, on est beau hein, devant. Là, allô les gars? Ouais, la bagnole, écoutez. Ouais, dis. Voilà, j'étais droit. Ramène un treuil. Les gars, c'est une dinguerie. En plein dans le désert. Waouh! Regarde le paysage, c'est incroyable. Incroyable! Y'a rien autour. Je peux gueuler, quoi? On est tout seul, mec. Choc-bar. Choc-bar à deux doigts d'avoir la barre. C'est une folie. Mais là, huracan et j'étais fort. C'est vraiment du sable, quoi. Nous rentrons dans le désert. Oh, et le bruit, quoi. Waouh. Yo. Oh, le bruit, quoi. Wesh. En tout cas les gars, je suis choqué, la voiture est incroyable. Et ce qui est vraiment choquant moi, qui me choque sur cette voiture, c'est l'arrière. Avec l'aileron, le béquet, c'est une folie. Waouh! Les gars, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Réaction à chaud! Je tremble. Mais non. Mec, c'est une putain de bagnole. C'est un truc de fou. Je tremble. Mec, c'est une dinguerie. Carrément, tu trembles. Mec, l'adrénaline. Qui perd pas le contrôle de sa Camaro, quoi. Carrément. Je roule tout, enfin, hein, rien à foutre. Mais non. Ah, si, 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 si. Regarde comment elle part. Mec, la dégaine de la caisse. N'importe quoi. Corentin. Ce que je te propose après tout ce cirque, c'est qu'on aille manger. Ce serait peut-être temps vu l'heure. T'imagines, on fait une insolation, nous deux on tomberait de mort ici par terre. Personne ne va venir nous aider, hein. Red mort. Personne. Bon les gars, on vient d'arriver au McDo, c'est trop dingue. On va aller se péter le bide, c'est parti. Je pense qu'on va prendre TKE et manger sur l'aileron, hein. On a ce qu'il nous faut, c'est génial. Oh là là les gars, c'est parti. Allez, bon appétit. Ça va? Ouais, bon appétit, hein. Oh mon dieu, c'est bien salé, hein. Mais vraiment. Que je tombe pas malade avec le sel, quoi. Je vois que tu ne m'attends pas. T'as peut-être un meeting, un call ou quoi à passer. L'aileron va être bien bien propre. On reprend la route. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, la voiture elle vient de chez Venom Car Dubaï. Vraiment, c'est une folie. Ils ont pas que ça comme voiture. Bon, les gars, on va aller à l'appartement. On va prendre un maillot pour aller se détendre. On va vous montrer ça. C'est magnifique. Vous allez voir, l'appartement est très sympa. Et faites pas attention au bordel. On est arrivé à 4h du matin, 5h même. Et dès ce matin, on devait récupérer la GT3. Bienvenue chez nous. On peut peut-être voir tes caleçons. Hop là, pardon. Oh. Mec, mais c'est une blague. Mais t'as vu, dès qu'il n'y a plus le soleil, il fait déjà sombre. On a une vue sur la piscine. Mais je vais vous montrer. Le plus sympa, les gars, on se trouve là-bas. Bon, là, il y a la cuisine, on s'en fout. C'est impressionnant. Ah, est-ce qu'en bas, il y a peut-être des dames? J'ai une proposition pour toi. Oui. Oh, je peux crever qui crache, quoi. Un peu de tenue, quoi. Et c'est hyper haut, quoi. Ils vont croire qu'on monte pas les chambres parce qu'il y a des gens qui dorment avec nous, genre des meufs ou quoi. On peut leur dire que c'est faux, il y a rien. Je pense que s'il y avait des meufs, de toute façon, il y aurait pas de. Oui. Valise par terre. De toute façon, mec, on roule avec des caisses, on est dedans. Donc... Ouais, on est deux dans la voiture. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de nana. Je suis posé dans la chambre. Je tiens encore en tout cas à vous remercier parce que c'est vraiment une folie ce qui se passe, tout ça, tout ça. Je ne m'en rends pas compte en fait sur le moment même. Mais c'est une dinguerie, les gars. Waouh, quoi. Et tout ça, c'est en partie grâce à vous. Donc, merci beaucoup. Vous vous rendez compte? Allez, quoi. À notre âge, c'est abusé. Regardez ce que ça donne de nuit, les gars. C'est incroyable. Waouh. C'est vraiment bien beau, quoi.
Voilà. Allez, tu savais. Bah oui, je savais. Ah, tu te crois peut-être plus malin. On peut même plus rire, quoi. Changement de plan, les gars. On va au mall. On n'a pas été se baigner pour finir. On était un peu fatigué, donc voilà. De toute façon, il y a plein d'épisodes qui vont sortir. C'est pas terminé. Et c'est parti, quoi. Ah ouais. Ah ouais. La fameuse. On retrouve le bijou. En espérant que tout ça vous aura plu, hein. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Et encore merci. Ça va? Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller en description si vous voulez la voiture. Ça vient de chez Venom. Ça va? Le CP, quoi. Buonasera.